Nous sommes ravis de ce club de lecture itinérant de l'ambassade du Brésil qui vient de s'achever donc à la Bibliothèque nationale de France. C'est pour moi, chargée de collection, l'occasion de rappeler que nous avons un important fonds lusophone à la bibliothèque, hein. Il y a plus de 76 000 documents en portugais. Et concernant le Brésil, en libre accès, vous trouverez plus de 3 000 ouvrages. C'est aussi l'occasion de dire ou de redire qu'on a un site France-Brésil dédié aux relations entre les deux pays depuis le XVIe siècle, hein, que vous trouverez donc sur Internet et qu'il ne faut pas hésiter à aller visiter. Et donc par rapport à ce matin, bah voilà, rappelez aussi qu'on n'est pas seulement là pour garder les collections d'ouvrages, mais qu'on a aussi pour vocation de les faire vivre et donc d'inviter des auteurs vivants et des traducteurs, dont Antoine Charrère est une bonne représentation, si j'ose dire. Eh bien, merci Maud de nous avoir accueillis, effectivement, à la Bibliothèque nationale, ainsi que le service culturel de l'ambassade pour ce club de lecture. Moi, j'étais remonté du sous-sol des salles de recherche de la Bibliothèque nationale, où en fait tous ces livres que je fais proviennent finalement, puisqu'il y a beaucoup de recherches autour des textes. Donc je suis monté du sous-sol pour venir accueillir rencontrer les lecteurs aujourd'hui. Et c'était, bon, je veux dire, c'était un vrai plaisir parce que ces textes comportent pendant des années, sur lesquels on cherche, qu'on essaie de traduire de la meilleure manière, en pensant aux lecteurs inconnus. Bon, ben, pour une fois, on a mis des visages sur les lecteurs et on a pu, enfin, j'ai pu découvrir les réactions qui sont certaines attendues, d'autres plus surprenantes. Donc c'est vrai que c'est un plaisir de voir que chacun s'empare des textes, chacun je crois, a réagi avec sa propre culture, sa propre histoire. Donc à propos de ce Bras Bexiga et Barafunda, on a beaucoup parlé des Italiens de San Paolo, et on se rend compte qu'aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui résonne, puisque beaucoup de gens qui étaient là parmi les lecteurs avaient des liens avec les Italiens du Brésil. Donc chacun avait son anecdote qui venait faire écho à ces petites fictions. Donc en cela, c'était un vrai plaisir de faire la rencontre des lecteurs. Que dire de plus? Que les passionnés d'Alcântara Machado pourront bientôt découvrir un nouveau texte traduit en Yes, français par avec vos soins. une nouvelle, un nouveau récit assez différent. On retrouvera le style si particulier de notre cher auteur, mais ce sera une fiction plus politique qui nous parlera de la révolution au Brésil, toujours d'un point de vue satirique. Voilà.